Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo afin de continuer l'aventure de Prince of Persia Lost Crown. Du coup, dans l'épisode précédent, on a vaincu le prisonnier mort-vivant. On avait vu un garçon qui s'est enfui et là, on va continuer l'aventure. Alors, ouais, c'est quoi le jeu? C'est Prince of Persia Lost Crown. Oh oh! Ah ok, je pensais que j'allais mourir. Bibo, prends la vitamine, je vous promets. Mais c'est quelle vitamine? De quelle vitamine tu parles? Hé! Mais il y a des gens bizarres ici dans ce truc. Hein. Lui, il fait ses attaques vers le haut. Regarde-moi ça! En fait, ce Prince of Persia, c'est comme les tout premiers, tu vois, à l'ancienne. C'est ce qui fait que tu ne sais pas trop là où tu vas. Oh, il y a un autre arbre ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Un arbre Wakwak. Bonjour. C'est la première fois que tu croises un arbre Wakwak. J'en ai déjà rencontré sur mon chemin, mais tu es le premier qui parle. Non, non, je ne suis pas un arbre Wakwak. Je ne suis que résident. Il y a beaucoup d'arbres Wakwak dans la citadelle. Leurs branches nous servent de refuge. Elles peuvent aussi être une aide précieuse pour les voyageurs comme toi. Oui, j'ai remarqué. Ces arbres sont là depuis toujours. À l'origine de la vie, leurs racines sont profondes. Nourri par l'attrait primordial qui résonne en toutes choses. Mais la forêt traverse des jours sombres. Une créature venue d'ailleurs a semé le malheur et la désolation. Ah bon? Tiens, prends ça, tu en auras besoin. Qu'est-ce qu'il va me donner? Éclat. Donc on a un souffle de Bahman. Il crée une explosion et une zone de soins qui permet de récupérer progressivement de la santé. Les ennemis à proximité sont repoussés. Ne peut être déclenché que depuis le sol. Alors, éclat d'Artra du niveau 2. Maintenir OK LTY pour déclencher le souffle lorsque votre jauge atteint le niveau 2. OK. C'est bon. Ça, c'est... Ah, OK. Je peux en avoir plusieurs. Et amulette, j'ai les 3. C'est bon. Nice. Attends, il me dit qu'il y a quelque chose... Ah, je dois descendre. Pourquoi j'ai l'impression qu'on peut détruire ça? Ah, voilà. Mais il y a un Gugus qui est ici, là. Allez, hop. Royaume des souvenirs brisés. Ok, on continue par là. Ça. Ok, j'imagine qu'elle est là temporairement. Ça, t'as l'impression que ce sont des pièces. Dude, quoi? Tu ne vois pas la lettre I. Mais qu'est-ce que tu fumes?
Je peux pas prendre les flèches. Vous êtes slow les gars vraiment. C'est arbre wak wak. Ah non, là ça veut dire que il me faut un arc en fait. Ouais, il me faut un arc. Parce que là, j'y arrive pas. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un sort horrible. L'armure est vieille et usée. Un boulet de canon, projectile. Vitamine égale vitamine intelligence. Et... Alors, on a eu un insigne de Persepolis. Corsro a toujours apprécié Bijan et a même demandé à Morteza d'écrire un poème sur lui. Oslo a été le premier à s'enrôler lorsqu'il a appris que Bijan avait rejoint les hommes d'Ardashir. C'est bon. Bon, je vérifie un truc. Ok, nice. Mais là, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas la flèche. C'est clair qu'il faut une flèche ici. D'une flèche, un arc. Défense de Berlik, longue et aiguisée, détachée de sang. Tachée de sang séché. Lui. Alors qu'est-ce qu'il y a par ici là? En bas il y a un truc. Salut Sargon. Ah c'est la petite qu'on a vue tout à l'heure. La forêt irkanienne. Prête-moi ton œil du vagabond. Je vais y rajouter les informations que j'ai glanées sur cette zone. Le prince, est-ce que c'est pas un fils de soldier? Le dieu n'est jamais fatigué.
Ok. Là, c'est bon, on a la map de la forêt. En fait, on est parti même ailleurs. Hein. Regardez là où on se trouve. Et du coup, sûrement, on doit partir là. Imagine. Salut, Sargon. Bonjour, Farid. Beaucoup de créatures ont peur de ce lieu. Je voulais savoir pourquoi. On dirait que ça a beaucoup changé. Durant le solstice, les chants de célébration résonnaient dans toute la forêt. Depuis quand la forêt est-elle empoisonnée? Peu après l'éclatement du temps, la reine de la forêt a envahi les lieux. Elle a apporté avec elle le vent mauvais. On va casser ça? Non, on peut pas. Si je descends là, je meurs? Non. J'ai envie d'aller là pour continuer ma quête principale, mais je sais pas s'il y a moyen de revenir par là. Parce que j'ai l'impression qu'il me faudra pas mal de trucs. Parce que pour là, il me faut un arc. Allez, on va continuer. Tu vois, là, il y a des flèches et tout. Ouais, j'aurais besoin d'un arc. Allez, on va retourner de l'autre côté. Il n'y a pas moyen de se TP. Mais dégagez! Et hop, tu me laisses tranquille. Ah, je suis pas passé par là. Mais si, je l'ai fait. C'est bon. Ok. Allez, on continue. Vous ne m'intéressez pas, les gars. Oh non. J'ai peur de rester bloqué ici, hein. Ah ! Non, on va pas me dire que je suis bloqué là. Comment je vais faire pour retourner ? Oh ! Mais non, la poisse. Oh non. Mais lui, il me dit qu'il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi cette musique là? Ça, je l'ai déjà fait. Ah!
vite m'enlever. Il y a un arbre devant, non? Ouais. Allez, on continue. Il fait ça, c'est qu'il y a un objet caché. Ok. Est-ce qu'on peut pas essayer de monter par là? Bah ouais, j'ai pas l'arc. J'ai pas le choix, il faut que... Allez. On descend ou on fait quoi? Ouais, on va descendre. Pas le choix. Dieu. Je vais d'abord faire le bas. Ça descend encore. T'es sérieux? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est caché ici? Ok, on a un fragment de mémoire. Pas de capturer, non. D'accord, let's go. Et... Donc si je ferme celle-là, il y a l'autre qui s'ouvre. Tu vois, là aussi, je pense que c'est l'arc. Si j'avais l'arc, je pouvais tirer de l'autre côté. Elle est passée où mon amulette? Pourquoi j'ai que 3 points de vie? On va passer par le bas pour voir. Ah! Un peu de thune, c'est pas mal. Yeah.
Aïe, 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 aïe. Lui, faut pas trop l'approcher, hein. Ouais, ouais, ouais. Attention. Faut y aller tout doucement. Ah, parce que là, si tu donnes un coup, ça fait trop mal. Oh oh. Ah, vas-y, viens. Non, 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 faut pas se prendre ce coup. Non, no way. Comment t'as fait pour me toucher, mec? Mais à la fin, il est chiant. Enfin. Alors, on a eu une louve promise, convertit une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge d'Atra. Équiper les amulettes sur l'arbre Wak Wak. Le jeu est beau en vrai. Ah ouais, c'est clair. Hein. Please, donnez-moi des arcs. Ah. Mais attends, on va pas me dire que c'est un immortel là. Mais c'est moi ça. L'arc de Ménolias. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon, on a l'arc de Ménolias. L'arme de prédilection de Ménolias, archer mythique des immortels. Appuyez sur Y pour tirer, utiliser pour viser. Okay. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, tu vois, ça me permet de faire pas mal de choses là. Par contre, il me faudra de la vie. Please, un arbre Wak Wak, yes! Ah, je suis content, arbre Wak Wak. Mais ce jeu-là... Oh, il y a leur pote ici. Ménolias n'est pas avec toi?
On a été séparés. Pourquoi ? Mais Milmina, ça pensait pas son... C'est très bizarre. Je suis tombé sur un autre que moi. Un guerrier... qui avait mon visage. Qu'est-ce que tu racontes ? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Aya. Qu'est-ce que c'était ? Une de ces créatures qui n'a pas le courage de se montrer. Voilà ce que c'était. Où est-ce qu'elle se terre ? Il me faut des vrais combats. Bonne chance à toi, Sargo. Et tâche de ne pas devenir fou. Ah. J'ai l'impression que je peux avancer, mais... Yoï. Ok, c'est la mort par là. Ça y est, maintenant qu'on a la flèche, c'est trop bien. Du coup, on pourra retourner de l'autre côté. Ça va chauffer, je vous le dis. C'est pour ça. Mais pourquoi il m'attaque comme ça? J'avais pas envie d'utiliser toutes mes flèches, moi. Attends, je vais retourner pour récupérer de la vie. Peut-être que si je le fais, ils vont revenir. Hello, Kelly, how are you? Peut-être que si je le fais, ils vont revenir aussi. Ah ben voilà, non, I'm not going to fight. Là, hop, voilà. Ah, ici, apparemment, il y a un truc... Ah, au-dessus. Je pense que je n'ai pas encore ce qu'il faut pour détruire. Bon, voilà ce que je vais faire. On prend une photo et puis on garde ça comme ça. Est-ce que c'est en bas? L'étreinte de l'Artra. Check your Discord. I will check later. Actually, as you can see, I'm streaming. I'm recording too. Oh. Ok, nice. Dos droit. Moi, je suis complètement KO, je vous dis bonne soirée. Bonne soirée à toi. Die. Ah, c'est trop bien quant à l'arc. Ah là, tu vois, on peut remonter. Oh, wait. Oh. Oh non, j'ai fait une bêtise. Ok. Ah,
Ah, je pense qu'on peut y aller par là, non? Alors, je recharge. Nice. Ah, en fait, j'en avais même pas besoin. Vérifier ce qu'il y a en bas d'abord et après. No way. J'entends des trucs là. Ah, il y a un arbre wakwak au-dessus. Je go aussi, je suis fatigué today. Ok, ça marche, Kefren. Est-ce que ça blesse? Non. Bonne nuit à toi. Bon, il y a un passage ici. Mais ça ne finit jamais. Thanks, see you tomorrow, inshallah. Ok, see you, Kefren. Bonne nuit. Ok, là, c'est bon. J'ai les amulettes équipées, en fait. Attends. Ok, c'est bon. Apparemment, il y a un passage ici. C'est quoi ce passage ici là? Peut-être que pour le moment, je ne peux pas le débloquer.
Ok, good here. Bon. Est-ce que j'ai fait tout ce qui est en bas? Non. Ah, ça c'est la mort. Oh, yeah, 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 yeah. Ménolias, toujours vivant. Et en quoi ça devrait te surprendre? J'ai trouvé ton arc. Un univers des possibles. Qui se déroulent tous en même temps. C'est vraiment bizarre, mais au moins je sais que mon arc est entre de bonnes mains. Anahita emmène Hassan en haut de la citadelle. À la porte du Simorgue, ouais. Oh, avant que j'oublie, mon arc a une double fonction. Ah bon? Tu devrais y jeter un coup d'œil. On se retrouve là-haut. C'est quoi la double fonction? Chaque trame de Ménolias. Une arme à distance qui revient vers Saron une fois lancée. Maintenir Y pour viser précisément avec le chaque trame. Oh, ok. Nice. Apparemment, il y a un truc ici. Un arbre ou quoi que. Objet de collection, ok. Comment je peux faire pour... Il n'y a pas moyen de monter là. J'ai l'impression qu'il me faut un double saut que je n'ai pas encore. Mais je peux rien faire là. Bah ouais. Je peux même pas glisser à cause du bouclier de l'autre. Ah, j'arrive pas à me concentrer. Oui.
Putain, y'a un mec ici. Enfin. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, porte-amulette. Ça, c'est bien ça. Ok, on est sorti, on doit aller là-bas. Par contre, là, ça va me blesser. Hein. Il va falloir que je trouve une autre solution. Ok, on est revenu là où on était. Ah, oh, mais hey, qu'est-ce qu'elle voilà fait là? Sargon l'immortel. Fariba, tu étais là à m'attendre? Le monde ne tourne pas autour de toi, jeune homme. C'est ma maman, Vosorg. Je suis sûre que t'auras besoin de passer à son échoppe de temps en temps. Ok, on va lui parler encore. Qu'est-ce que tu as? Acheter un indice. La haute citadelle. Tu sais comment on y va? Bien sûr que je sais. Moi, je peux aller partout. Mais pour toi, c'est pas si simple. Bref, je vois que t'as récupéré un arc. À l'ouest, si t'arrives à reconstituer la statue de la déesse, c'est le chemin le plus direct. La statue brisée. Ok, répétez le dernier indice, c'est bon. Bonjour, mamie. Bienvenue. Qu'est-ce que tu as? La petite mémé, qu'est-ce qu'elle peut... Attends, amélioration des potions supplémentaires, je pense que j'en ai besoin. Hein. Voilà, on n'a plus d'argent. Protège le porteur en diminuant légèrement les dégâts liés à l'état empoisonné. Je vais prendre ça aussi. Ok, il est où l'arbre? Il est là. Amulette. Et on a de la place. On peut l'équiper. Bon, voilà les amis, je pense qu'on va arrêter là. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré l'arc ici. Et malheureusement, il y a un endroit aussi où je pouvais pas accéder. Je pense que c'est ici. Bon, je l'ai pas fait, je suis revenu là. Donc cet endroit-là, il va falloir y retourner pour voir ce qu'il y a. Et puis voilà, hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être qu'il y a des choses que moi j'ai trouvées que vous n'avez pas trouvées. Ou ben, normalement en regardant les vidéos, vous allez voir tout ce que j'ai fait. Sur ce, n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre des pouces bleus, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut!